m'appelle Diallo Mamadou Aliou. Je suis diplômé récent de l'économie d'entreprise à une université sur place à Conakry. Justement, on apprend que vous avez été victime d'arnaque. Oui. Que vous auriez été arnaqué par la société Qunet. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est réellement? J'ai été contacté à travers un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Un ami d'enfance. On a grandi ensemble, on a fait le primaire et le collège ensemble. On s'est retrouvé encore à l'université. On a été à l'université là-bas. On a terminé ensemble. L'année à laquelle on a terminé en 2018, lui, il a été contacté d'aller à Kamsa pour un entretien d'embauche d'une société minière comme ça. Donc lui, il est parti. Ensuite, à l'aide de lui, ils m'ont contacté moi aussi. C'est la société qui t'a contacté? Oui, à l'aide de mon ami. Ah, par le canal de ton ami. C'était quand? On m'a contacté à l'aide de la société, de mon ami. Ils m'ont dit d'envoyer les dossiers. C'était quand? Dossiers la date à fournir. C'était fin septembre. Ils m'ont demandé d'envoyer les dossiers. C'est-à-dire les dossiers d'embauche. Donc il y a une société minière qui est installée à Kamsa, qui recrute, qui paye bien. Donc d'aller se présenter là-bas, d'envoyer les dossiers d'abord. Ils vont être dit, ils vont me rappeler. Maintenant, j'ai déposé le dossier. Une semaine après, c'est la vidéo. Le 3, ils m'ont contacté, ils m'ont dit que je suis retenu. Le 3 octobre. Le 3 août. J'ai déposé le dossier le fin septembre. Ils m'ont contacté le 3 août. Septembre. J'ai déposé le dossier fin septembre. Fin août ou septembre? Parce qu'après septembre, c'est octobre. Voilà. Fin juillet. Excuse. Oui. J'ai déposé le fin juillet. Maintenant, 3 août, ils m'ont contacté. D'aller se présenter le 5. Cela veut dire le lundi 5 août. De laisser se présenter à Kamsa pour un entretien d'embauche. J'ai bougé dimanche matin. Je suis arrivé là-bas dans les environs de 21h à Kamsa. J'ai été reçu par mon ami et ses compagnons de là-bas, à Filima, Filima Centre. Maintenant, ils m'ont conduit dans leur dortoir. Je suis allé là-bas, j'ai un peu soupçonné, mais en vain, tellement que j'étais pressé d'avoir un emploi, donc j'ai pas réfléchi tellement. Comme il m'a dit, c'est une entreprise minière, donc je me suis dit en tête que il y a des ouvriers, il y a aussi, il y a beaucoup de main-d'œuvre, donc il y a des personnes qui n'ont pas étudié là-bas, comme j'ai remarqué ça, je dis. Peut-être c'est les ouvriers. Donc, je ne me suis pas beaucoup posé la question. Le lendemain matin, 5 août 2019, je me suis présenté avec mon ami dans leur bureau. En arrivant de la cour, ils nous ont dit d'abord d'éteindre tous les téléphones. Pas poser la question, j'attends mon téléphone, je rentre dans la salle, j'ai remarqué que tout le monde était silent, donc je suis resté silent à mon tour. Je suis rentré avec l'argent qu'ils m'ont demandé d'envoyer. Ils t'avaient demandé combien? Ils m'ont demandé d'envoyer 8 millions avec le dossier, quand j'ai déposé le dossier, 8 millions. Donc je suis le jour J, j'ai déposé les 8 millions plus. J'ai déposé les 8 millions le jour de mon arrivée, le 5 août 2019. Tu as versé à leur niveau? À leur niveau, ils m'ont donné un papier, ils m'ont dit que le signé là-bas, c'est fiche de présence. Donc, je ne savais pas, c'était leur parmac. Donc, j'ai signé en soi disant que j'étais présent.
terminé de signer. Ils m'ont dit maintenant tu as signé un contrat de 99 ans. Comme je connais les entreprises, l'économie des entreprises, quand ils m'ont dit 90 ans, j'ai dit non. Comment est-ce que vous pouvez m'offrir un contrat de 90 ans? Est-ce que vous allez durer plus que 10 ans comme ça? 90 ans. 90 ans. Donc, je me pose directement la question, ça c'est quoi ça? Au moment que j'ai signé, mon ami et ceux qui se trouvaient dans le bureau m'ont paniqué, ils n'ont pas lu. Pratiquement, lu ce qui est le contenu. Donc j'ai signé. Quand ils m'ont dit c'est un contrat de 90 ans, ils m'ont commencé à m'expliquer. Donc j'ai dit non, il faut me restituer mon argent. J'ai déposé tout de suite pour me restituer mon argent. Je ne veux pas dire ici. Donnez-moi, je vais lire. Je vais regarder, je vais trouver Kenneth. Non, il m'avait dit autre chose. Donc j'ai dit vous m'avez menti, donc pour restituer mon argent, je rentre. Il dit non, attends, ils vont m'expliquer que c'est une entreprise vente, qui sert comme ça. Donc, je me suis posé la question, ils m'ont dit d'attendre le lendemain, mardi encore. Donc, j'ai rentré, le mardi j'ai revenu. Ils m'ont dit que ils ont commencé de faire des négociations. Les négociations, ils vont dire que vous me remboursez, mais d'attendre. Moi, j'ai dit, il faut forcément que vous me remboursez. Moi, je ne veux pas faire Kinect. Ça ne m'intéresse pas. Je n'étais pas venu pour faire Kinect. Donc, je connais Kinect depuis à Conakry. Si je voulais rentrer à Kinect, je l'ai rentré depuis là-bas. Moi, jusqu'à ce que je suis venu, surtout ici, de trouver ces dimensions, donc restituer mon argent, je rentre. Là, ils se sont mis à crier, ils ont dit que j'ai déjà effectué l'achat, donc il n'y a pas de remboursement, ils ne vont pas me rembourser. Donc, je l'ai dit, dans ce cas, je vais me rembourser mon argent ou bien décider ce que vous allez me faire. Parce que je ne veux pas bouger ici sans que vous me restituiez mon argent. Je dis le mardi que vous n'allez pas travailler ici, sauf que vous donnez mon argent. Il y a l'un de deux qui sont là-bas, qui sont membres là-bas, qui m'ont pris, m'ont envoyé dans une autre salle. Je dis qu'ils vont m'expliquer, ils vont me rembourser. Je dis maintenant que leur chef n'était pas là-bas, d'attendre à l'arrivée du chef, ils vont me restituer mon argent. Je vais rester là-bas le mardi, le jeudi, mercredi, jeudi. Le jeudi, l'accès est revenu. Maintenant, je suis venu envers le jeudi de donner mon argent. Donc, finalement, je suis que je ne vais pas récupérer mon argent dans cette circonstance. Donc, je retourne à Conakry. Sans votre argent? Sans mon argent. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, à chaque fois, j'appelle. Avant de quitter là-bas d'abord le jeudi, ils m'ont dit qu'on va signer, que mon ami va me rembourser. En sachant que ce n'est pas lui-même qui a consommé l'argent. Bête qu'il est, il a signé l'engagement. Moi, j'ai cet engagement à la maison qui va me rembourser mon argent août 2020. Ça veut dire le 5 août 2020, il va me rembourser mon argent. L'intégralité de 8 millions. Comme je connais la signature, ce que signifie la signature, je suis que je suis tombé dans l'erreur au moment là où j'ai signé ça le livre. Donc, en croyant que tout cela, donc je me suis retiré avec cet engagement. Je suis revenu à Conakry. Donc aujourd'hui, vous prenez votre mal en patience jusqu'au mois d'août 2020. Parce que je constate que je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez aux autorités guinéennes? Aujourd'hui, ce que je demande aux autorités guinéennes, c'est que Kinect est en train d'arnaquer les jeunes, surtout nous les jeunes diplômés, parce que ce qu'on entend, ce qui rentre dans nos oreilles, c'est offre d'emploi, appel d'emploi. Partout on entend appel d'emploi, on va aller. Parce que ce qu'on cherche à l'heure là, c'est comme par exemple si tu as faim,
qui a besoin de la nourriture. Donc, de constater encore, toutes les personnes qui parlent là-bas ont été menties. Donc, on les a menti comme ils m'ont menti. Et votre ami, comment il s'appelle? Il s'appelle Foredaka. Son nom, c'est Mamadou. Mamadou quoi? Bari. Mamadou Bari. Mm. Et lui, il est toujours à Kamsa? Oui, il est toujours avec eux. Il est toujours un membre. Il est toujours à Kamsa. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui. Allez-y. Le dernier mot, c'est ce que je souhaite et je veux l'autorité à l'aide qui n'est en Guinée. Parce que cela a arnaqué les gens. Même si moi en personne, je ne réussis pas à récupérer mon argent, j'ai besoin de lancer l'appel dans toutes les universités. Se place surtout les jeunes de ne jamais accepter d'avoir un emploi avec un compte partout. Parce que ce qui a été mon cas, ce qui m'a poussé à faire ça, donc c'était une erreur. On me demande aux autres de ne pas commettre cette erreur. Merci monsieur, très bon courage. Merci.